Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir un magasin de bricolage en franchise. Le secteur du bricolage est toujours un secteur, on va dire, assez dynamique, qui génère un très très gros chiffre d'affaires au niveau national. C'est un secteur naturellement où les surfaces de vente sont très importantes. On va dire qu'on est au moins sur du 1500 mètres carrés afin naturellement de pouvoir exposer quand même une large gamme de produits. C'est un secteur qui est trusté, je pense que vous les connaissez tous, par exemple Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché, Brico-Dépôt, Weldom. Donc c'est aussi un secteur qui intéresse bon nombre d'investisseurs, mais il faut quand même se faire, je vous mets quand même en garde, c'est quand même un secteur qui est quand même très concurrentiel aujourd'hui, parce que le bricolage ça a le vent en poupe, donc forcément beaucoup de gens l'ont investi. Souvent on le voit dans toutes les zones commerciales, vous avez au moins un voire deux magasins de bricolage, mais quand on voit aux caisses, en tout cas, il y a toujours du monde, donc c'est quand même toujours des magasins qui tournent très bien. Par contre, l'apport, on va tout de suite parler chiffres, c'est quand même des choses qui coûtent très cher, comme je vous l'ai dit, on est sur des grandes surfaces, au moins 1500 mètres carrés, plus le stock, plus les droits d'entrée, plus les employés. Donc pour vous lancer, sachez qu'il vous faudra au minimum 200 à 250 000 euros d'apport. Donc voilà, vous le savez, maintenant c'est quand même une grosse machinerie. Il faudra aussi être un très bon manager, naturellement, puisque vous aurez de nombreux équipiers, employés sous vos ordres pour faire tourner votre magasin. Surtout que les horaires des magasins de bricolage sont souvent des horaires qui sont, on va dire, très élargis. Ça ouvre relativement tôt le matin et ça ferme relativement tard le soir également. Il y a aussi les saisons, naturellement, en termes de gestion. Les saisons, c'est pas pareil, printemps, été, automne. Donc il y a aussi un renouvellement permanent dans le magasin. Et je vous conseille aussi, si vous en ouvrez un, de pas oublier la rotation des produits. C'est quelque chose de très important que font, je trouve, souvent les supermarchés, c'est-à-dire qu'ils déplacent les produits, ils réagencent les rayons, parce que sinon vous avez toujours l'impression un petit peu que c'est la même chose, alors que là, voilà, il faut toujours que le client sente de la nouveauté, surtout dans les départements stars comme tout ce qui est par exemple salle de bain, robinetterie. Vous voyez, il y a toujours normalement chaque année des nouveaux lancements de produits qui sont effectués. Voilà, j'espère que cette vidéo vous l'avez trouvée intéressante. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur le lancement d'une enseigne de bricolage en franchise. Sachez quand même qu'il y a assez peu d'enseignes qui sont ouvertes à la franchise. On va dire celle qui se développe le plus en franchise, c'est Monsieur Bricolage. Donc si vous voulez en savoir plus, le plus simple, c'est tout simplement de les contacter et de regarder dans votre zone de où vous habitez, ou simplement si vous êtes aussi mobile. Il y a des gens qui n'hésitent pas, qui ont une telle envie d'entreprendre qu'ils n'ont pas peur de déménager pour se lancer. Ça, c'est très bien, parce que dans ce cas-là, quand une nouvelle zone commerciale se crée, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être là au début pour tout de suite prendre un bon emplacement. Et surtout, si vous êtes le seul, il n'y a pas de concurrence. Si vous êtes le seul magasin de bricolage sur une nouvelle zone commerciale, vous allez tout de suite, je pense, bien tourner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qu'elle peut intéresser, à vous abonner à la chaîne YouTube pour connaître toutes mes dernières vidéos. Et en ce moment, comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat, où vous pouvez vous lancer d'ailleurs avec beaucoup moins. Ici, on parle de sommes importantes, 150 à 200 000 euros. Mais voilà, il y a des franchises avec lesquelles vous pouvez vous lancer avec seulement quelques milliers d'euros. Vous découvrirez tout ça en téléchargeant le guide qui apparaît en ce moment ici à l'écran. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!